Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur The Witcher 2. Ah putain, rappelez-vous dans l'épisode précédent, j'étais trop lourd. Et du coup, non, il y a eu la guerre, ouin, tout le monde est mort. Les nains et les elfes se sont fait massacrer par le roi Ensel. Les bleus n'étaient plus qu'une simple armée. J'ai choisi et formé ces hommes moi-même. Et Vernon s'est vengé à tuer le roi. Oh mais on en a rien à foutre. Et oui, j'ai gagné 3 niveaux depuis l'épisode précédent, j'ai gagné 3 niveaux et vous pouvez rien y faire. Mais ils n'ont même pas eu la chance de mourir. Ça c'est Lockmouin. Tu as aussi perdu ton roi, Vernon. N'oublie pas pourquoi tu t'es embarqué dans cette mission. Je suis trop vieux. Bah oui, je suis trop vieux pour cette connerie. Oh mais bordel de merde. Tu casses les couilles. Oh, il y avait un soutien-gorge. Je n'oublie rien. Si Deto et Sheila sont à Lockmouin, ils n'en repartiront pas vivants. J'ai vraiment peur d'être trop lourd. Bon, j'arrête. Je veux juste les massacrer pour les massacrer. C'est décidé. Sinon, je vais devenir complètement fou. Je n'en peux plus. Après, vous allez me dire, oui, mais il y a un mode pour ça. Putain. Tiens, des bûches d'arbres. Qu'est-ce que je fais avec des bûches d'arbres? Hop, ça va les couilles. Encore des méchants. Qu'est-ce que t'es moche. C'est quoi tes trucs là? Ah bah c'est la chute hein. Oh non, il y a des trucs dedans. Je vais vouloir tout prendre. Non, arrêtez. Il y a quoi dedans? Une pierre élémentaire. J'ai ça aussi, c'est stylé. J'en ai marre. J'ai dit que j'arrêtais de prendre des trucs et je reviendrai plus tard. Putain. Ouais, ça me saoule. Je passe la plupart de mon temps à essayer de. Qu'est-ce qui se passe? Les chevaliers de l'ordre. Oula. Jamais je n'aurais pensé rencontrer ici les chevaliers de la Rose Ardente. Après leur perte d'influence en Temeria, ils se sont alliés à Radovid. Mieux vaut qu'ils ne te voient pas. On ne sait jamais avec ces bigots. Qui plus est, on a eu un léger désaccord. Il se peut qu'il n'ait pas digéré. Je dirais que ta présence à Lockmouin est indispensable. Et ensuite, qu'espères-tu trouver en ville? Des camps isolés, des zones tampons et des patrouilles régulières. Si les mages du conclave en ont dans le ciboulot, c'est ainsi que ça devrait être. Je vois que tu as de l'expérience. La signature à Sintra du traité de paix du 2 avril s'est déroulée dans le calme. En dehors des hurlements d'Enselt et du tapage nocturne du détachement volontaire de Mahakam, la populace était enchantée par le défilé. Évidemment, personne ne sait que mes semblables et moi avons passé une foutue semaine sur le plan de la ville à spéculer sur la répartition de ces buses couronnées. Va savoir quand l'un d'eux vient à se découvrir des envies de vengeance. J'imagine que ce sera pareil ici. Les magiciens désirent l'or royal. Ils veilleront à préserver les financements potentiels lors de l'inévitable querelle que provoquera la vallée du Pontard. On va bientôt savoir si vouloir, c'est pouvoir. Si on nous sépare, rendez-vous sur la place principale. Entendu. Entendu. La place principale. Il faut pas aller les voir, c'est ça? Mais Vernon, t'as dit, faut éviter qu'ils te voient. Et on y va droit dedans. Vernon Roche et Gérald de Rive, au service de Temeria. L'assassin de Foltest au service de Temeria. L'assassin de Foltest est déjà à Lockmouin. Gérald de Rive va m'aider à l'attraper. Peu importe qui a tué Foltest. Hors de question que je laisse passer la brute qui s'est dressée contre l'ordre.
Dans ce cas, je devrais vous passer sur le corps. N'oublie pas que des négociations de paix sont en cours. Mieux vaut ne pas commencer à verser du sang. Dites-nous ce que les chevaliers de l'Ordre de la Rose Ardente font ici. Nous avons été invités par son Altesse le roi Radovid. Radovid n'est pas en Redania. Il ne peut inviter qui il veut. Vous contestez la volonté du roi ? Si Radovid vous a invité, pourquoi campez-vous hors de la ville ? Nous ne sommes pas une délégation officielle. Nous, en revanche, nous nous rendons à une audience officielle. Radovid nous attend. Laissez-nous passer. Radovid n'a pas l'air de croire à une issue pacifique des pourparlers. Une chose est sûre, nul n'est digne de confiance ici. Nul n'est jamais digne de confiance. Nous devons évaluer la situation. Celui qui a posté ses chevaliers au port de Nosmune pourra nous renseigner. Je vais au camp Redania. Jette un coup d'œil aux alentours et on se retrouve près de chez Radovid. Entendu. Ok. Il y a un marchand, il y a un coffre, il y a une auberge, il y a un truc. Je peux me vider ? Alors, carte. Ah, il y a un marchand. Faut juste que je le trouve. Pour l'instant, je suis Vernon. Oh, mais c'est la pagaille ici. Ah ! Vernon ! Vernon, tu m'as pas dit qu'il y avait encore des trucs ! Jamais. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Arrêtez vos conneries ! En plus, je sais que vous allez exploser. Ah, encore ? Mais arrêtez ça ! J'ai raté. Allez, mais tu vas te faire toucher. Non. Oh là là. Toi. Médaillon. Ouais, tu bouges, hein. Qu'est-ce qu'il attaque? Ah non, mais si je prends des trucs, là, c'est foutu. Bon, il faudra que je revienne ici. Ouais, il faudra que je revienne ici. Parce que toi, t'es un danger, toi. Non, ok. Ah, j'ai pris de la poussière de gargouille. Ah, je suis trop lourd. Ah, j'en peux plus. J'ai la faim. Qu'est-ce qui pèse lourd? Ah bah c'est bon, je peux virer ça. Ah. Bonjour, excusez-moi. Oh là là! Vous êtes bien ici, non? Je reviendrai. Là, j'ai quelque chose de plus important à faire. Et je suis... Où je vous ai vu, déjà? T'inquiète, t'occupe. Mais t'es Baron qui, toi? Ravanen Kimbolt, je présume. Votre code des sorceleurs vous dispense-t-il du respect de la bienséance? Vous donne-t-il le droit de vous adresser aux nobles sans y être autorisé? J'imagine que je n'ai pas à me présenter. Oh non, je sais qui vous êtes. Gérald de Rive, l'un des chiens favoris de Foltest avec Roche. Pas un pure race. On dit que vous apportez toujours des problèmes. Le conclave va être reformé. Je ne m'attendais pas à ce qu'autant de Témériens se rendent à la cérémonie. Nous ne sommes pas là pour quelque apparat magique. Il s'agit de célébrer un nouvel ordre dans les royaumes du Nord. Vraiment? Votre espèce ne le voit pas encore, mais vos vies sont sur le point de changer. À jamais. Mon espèce? Les vagabonds et les vauriens. Les gens, et j'emploie le terme au sens large, sans roi ni patrie pour qui l'argent fait la loi et pour qui tout est à vendre. Ok. Qu'adviendra-t-il de Téméria? Est-ce de la nostalgie que je perçois dans votre voix? Vous vous rappelez votre service sous Foltest ou vos ébats horizontaux avec la conseillère royale? Quoi que ce soit, épargnez-moi vos politesses. Peu vous importe le sort de mon pays. Je sais ce qui m'importe. Je vous l'ai demandé. Comprenez bien ceci. Je ne vous parle qu'en mémoire de Foltest.
par respect pour lui. Oui, les primes sur ma tête sont tout ce que j'ai vu de sa mémoire jusqu'ici. Sans le témoignage de la petite Anaïs, il vous aurait pendu. La fillette a donc fini par parler. Qui que fût ce moine, pour moi, il était comme vous. Ah. Je n'ai pas tué Foltest. C'est une des choses qui nous différencie. La petite apparence est cool. Quoi d'autre ? L'honneur ? Les principes ? Je suis sorceleur. Je ne tue pas d'humains pour de l'argent. Êtes-vous sûr que ce n'est pas qu'une question de prix ? Dites-moi, Geralt, que faisiez-vous aux côtés de Foltest ce triste jour ? Triss Merigold, c'est pour elle que j'étais là. Alors vous avez tué beaucoup de gens pour elle. J'espère qu'elle en vaut la peine. Vous êtes un mercenaire, même si vous refusez de l'admettre. Ces sombres principes que vous appelez « valeurs », vous les oubliez dès qu'on y met le prix. Je ne suis pas à vendre. Je ne parle pas d'argent, sorceleur. En tant que monstre, vous voulez ce qui vous manque le plus. L'amitié, le respect, l'amour. C'est pour ça que vous grimpez au mur et tuez des innocents. C'est ça, votre prix. Mais tu m'insultes ? On dit qu'à la guerre, il n'y a pas d'innocents. De fait, à la guerre, il n'y a que la cause pour laquelle on se bat, toute puissante. Mais on dit aussi que la guerre est le refuge des damnés, l'asile des sans-âme et des sans-cœurs. Un appel d'en haut, joli concept. Mais je me souviens des chevaliers qui ont assailli le château des Lavalette. Des nobles se battant au sommet de hautes murailles. Ils venaient tuer pour la gloire, la fortune et leur plaisir. J'étais aussi à Vergen, où de simples soldats partaient au combat en serrant contre eux de fausses reliques, car ils savaient que la mort les attendait s'ils désertaient. Ils le devaient à leur roi. Non. S'il y a une chose que j'aime dans le fait d'être sorceleur, c'est que je ne dégaine jamais mon épée sur l'ordre de quelqu'un. Je suis las de cette discussion, sorceleur. Venez-en au fait ou partez. Apparemment, vous siégez au Conseil des Régents. Plus pour longtemps. Pourquoi ça ? Comment ça ? Le Conseil va devenir obsolète. Téméria est un pays dans lequel seul un homme qui ceint la couronne peut gouverner. Beaucoup de gens prétendent à cette couronne. Mais peu en ont le droit. Je suis le cousin de Foltest. Le trône me revient. Ou à la fille du roi, Anaïs de Lavalette. Noir sera le jour où nous serons gouvernés par des bâtards. Les nobles ont décidé de se partager le pouvoir. Vous l'avez dit, Baron. Seul un homme couronné peut gouverner. Téméria sera divisée en provinces. Une piètre fin pour la monarchie. Une piètre fin pour le pays. Ok. C'était intéressant de me faire insulter comme ça, mais... Je m'en serais passé, hein. Oh, ça doit être là. Je peux passer ? Vous l'aurez pas volé. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai le droit à... Toutes ces têtes couronnées réunies, vous devriez vous réjouir. Qu'est-ce que je fais là ? Excusez-moi, je cherche un marchand. J'en ai marre, je veux plus parler aux gens. Ah, des Nilfgaardiens. Tiens, tiens, mais qui voilà ? Geralt, sorceleur et chercheur de pièces carrées. Ah oui, c'est vrai. Vous voulez quoi ? La dernière fois, Zivik s'en est mêlé. Cette fois, il n'y a que toi et moi. Oh non, mais il va se battre. Bon bah... On va se battre, hein. Non, pas la queue. Oh ! Esquive ! Quoi ? Ton pote était sûrement plus fort, je m'en souviens même plus. Je t'aurai, sale fouineur. Que je ne t'y reprenne pas. Si vous agissez bien, le mec il m'agresse gratuitement. Bon bah ça fait de l'XP. Je suis trop chargé. Qu'est-ce que j'ai ? Pourquoi je suis trop chargé ? Pourquoi d'un... Bonjour madame. Waouh, on peut changer la coupe de cheveux. Je vois une queue de cheval d'écureuil. Les cheveux modèle fic. Une natte de nain. Ça fait quoi ça ? 30 pièces d'or ! Je n'ai pas assez d'argent.
On va déjà vendre tout notre merdier. Là. Ok, alors, tac. Oh, je lui ai vendu l'épée du roi Anselt. Je suis un con. Du coup, je l'ai racheté. Super. Je suis un con aussi, hein. Qu'est-ce que je pourrais lui vendre? En fait, non, il faut pas que je lui vende. Où est mon coffre? Oui, bidou. C'est ça, entraînez-vous. Vernon Bro. Toi, là. Comment vont les affaires? Vous êtes soit aveugle, soit très impoli. Je pensais retrouver de vieux collègues, discuter, me rappeler le bon vieux temps. Mais ils font tous comme si je n'existais pas. Les magiciens ne sont pas connus pour être polis. M'en parlez pas. Ils m'ont chassé de Banard à la première occasion. J'ai peut-être trop battu le chancelier à leur goût. Hein? Ils m'ont tous oublié. Et j'en ai assez. Je me débarrasse des grimoires et des amulettes. Je ne veux plus rien avoir à faire avec des mages. J'aimerais jeter un œil, si possible. Jetez-y même les deux. Très bien, on pourra demander à tout le monde, hein, la chasse sauvage, tout ça. L'histoire... Oh là là. Devoir et objectif de la loge. Tout ça, c'est intéressant. On peut acheter du cuir, on peut acheter des trucs. Oh, des formules. Non, en fait, j'en ai rien à foutre. Merci beaucoup. Faites le don vous-même. Ok, non mais je valide. Ça est gargouille. Voilà, on a plein de trucs. Brûlez vos baguettes et vos chapeaux. Sauvegardez. Excusez-moi. Je suis Geralt, Bras de Banard. Je me souviens de vous à Tanned et à Oxenfurt aussi. Tiens. On ne se croise qu'en terre elfique. En effet, mais vous n'êtes pas venu parler des ruines elfiques. Il me faut des armes. En fait, je viens faire appel à votre qualité d'expert en armes. Je ne suis pas un expert. De tous les mages, vous êtes le meilleur forgeron. Je m'intéresse davantage aux reliques des autres races, à vrai dire. Eh bien, il me faut une solide relique dans la main. J'imagine que vous êtes pressé. Vous pouvez m'aider ? Oh! Savez-vous de ces gargouilles qui vous ennuient? Elles servaient jadis les mages qui vivaient à Logwyn. Les mages sont partis, mais les gargouilles sont restées. Elles sont toujours dangereuses. Les quartiers qu'elles gardent sont inaccessibles. Ok. Non mais... Alors, marchandons déjà, qu'est-ce qu'il vend lui? Il vend des épées elfiques, des épées Nilfgaardiens... Une armure de Tirnalia. Intéressant. Des bouquins sur les ruines de pouvoir. 1, 2, 3, 4. Donc j'ai tout. Du fer, du minerai d'argent. Oh. Qu'est-ce que c'est ça? Ça a l'air trop bien. Je prends. T'en vas pas. Alors ça non. L'armure de drogue. Ah bah j'ai tout, il me faut juste 8 cuirs durcis et 18 trucs comme ça. Oh là là. Elle fait combien l'armure de drogue? 25. Et 50 de vitalité, on retient. Écaille de dragon. Sérieux? Écaille de dragon? Tu vends ça, toi? De l'écaille de dragon? Non, hein. 23 quarts. Non, donc l'autre est mieux. De l'écaille de dragon? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais parle-moi! Mais reste pas muet comme ça, parle-moi! Que ça fait... Ouais, ça, on l'a déjà dit. Ah, trouver et désactiver les sauts magiques.
C'est une attaque ouverte. Le roi Radovid. Ah, mon coffre. Ah, j'ai retrouvé mon coffre. Très bien, on y met ça et ça. Peut pas être vendu. Les mutagènes. Ouais. Pour le moment, je mets tout. Voilà. Donc là, j'ai tout mis. Parce que après, sinon, c'est un peu lourd. Les huiles, je les utilise jamais. Je pourrais vendre ça, hein. Elle vaut 2000 et je la revends 421. C'est vraiment de la merde. Oh, est-ce que j'ai des trucs supérieurs? Ah là. Vitalité plus 10. C'est de la merde. Mais je vais prendre. Si le conclave existait. Voilà, plus 10 de vitalité. Et si grand-mère avait une moustache, ce serait un poisson-chat. Nous devons protester de toutes nos forces. Bonjour mesdames. Oh, la ferme. Bon vin. Vous êtes toutes des sorcières en fait. Femme à gros décolleté, soit c'est sorcière, soit c'est prostitute. Hein. J'ai l'impression que tu te fais taper dessus. Que voulez-vous? Mais je te connais ça. Vous n'êtes pas dans le camp kédoinien? Ces porcs de Redania nous ont encore bernés. Ils ont pris les meilleures places et nous ont laissé les trous à rats. On est mieux ici, sur la place. Il y a du spectacle. Les messagers vont et viennent, les délégués se font des courbettes tout en rêvant d'égorger l'autre, et l'or passe de main en main. Beaucoup d'hommes armés. Chaque royaume se veut menaçant. Les gens comme moi vont bientôt avoir affaire. Rien de tel que les optimistes pour vous remonter le moral. C'est pas faux. Les mages font de ce sommet une véritable foire. Ce sont des parasites, qui ne reculeront devant rien pour s'approprier les trésors du roi. Detmold va faire partie du camp kédouénien, et leur voix compte pour beaucoup. Henselt leur aurait vite fait entendre raison. Il fut un grand dirigeant. Le monde ira droit dans le mur s'il est dirigé par des gamins et des fous. Ils veulent aussi débattre de la situation concernant les meurtres. Il y a un problème, le Magi. Un nouvel ordre. Vous connaissez la chanson. Je regarde ces petits chevaliers et ces foutus mages, et je me demande si le peuple sait où il va. De l'avant, à l'aveuglette, sur une pente glissante. Mais pour le moment, c'est plus drôle qu'inquiétant. C'est plus drôle qu'inquiétant. Salutations. On dirait que tu parles. Ah oui, bah on va lui reparler. La Je m'intéresse sauvage. À la chasse sauvage. Pouvez-vous m'aider? Le gibier, c'est pas ma spécialité. Merci. Ça veut dire non en fait. Et ben on va continuer à se balader. Bonjour monsieur le barde. Ah. Quoi? Ok. Quittez les cours royales. Ah putain. C'est reparti. Je sais que j'ai de la place. Je prends tout. Je fais n'importe quoi. Je prends tout. Je nique les pots. Servir. Oh là là, ne bouge surtout pas. Pour vous servir. Soit ça, soit je vais voir les gargouilles. Et ça va me faire monter niveau. Bonjour, excusez-moi, je sais pas où je vais. Hein. Je suis perdu. Ça y est, c'est le début. C'est le début du galet qui sait pas quoi faire. Encore vous? Ah bah... Ok. Ah c'est bon? Vous voulez vous battre? Voilà. T'as fait une? Oh là là, tourbillon incroyable. Waouh. Swing. Cet homme est mort. Un anneau en argent, certes. Intéressant. Ce mur est cassé, non? Je
Je sais pas où je vais. Qu'est-ce que je fous là? On peut descendre par là. Qu'est-ce que... Oh. Voilà, le galet se balade. Vous n'avez rien entendu, j'imagine. Oh, coucou le chien. Oh, y a pas mal de chiens errants, hein. On se croirait en Russie. Ah. Que puis-je pour vous? Vous jouez au dé? Vous vous joignez à nous? Qui d'autre joue par ici? Deux mages, mais jamais contre nous. Ils ne défient que les maîtres. Qui sait? Si vous nous battez... Ah bah allez, oui. Jouons au dé. Qui voulez-vous défier? J'en ai rien à foutre. Allez, jouons des. J'ai que ça à foutre. Ah là là, ça part mal, ça part mal. Si je garde, si je... Allez, on relance. Je crois que j'ai déjà perdu, hein. Ils ont déjà 3-3. Oh non, le dé qui s'envole. Bon, c'est perdu. Encore. Vous avez perdu. Une partie. Allez. Vraiment, allez tout doucement. Voilà. Alors, j'ai quoi là? 1, 2, 2, 5, 5. On va en relancer qu'un. Oh, mais j'ai déjà perdu en fait. Ah, t'es niqué. J'ai perdu. Vous avez perdu. Non, j'ai perdu. Encore. Encore. J'ai de l'argent. Oh, c'est pas mal ça. Ah, c'est vraiment pas mal. J'ai tenté d'avoir plus de 1. Et c'est raté. Ah, c'est perdu. Oh, c'est gagné. Vous avez gagné. Allez, à toi. Une petite partie. Allez, on joue. Comment perdre de l'argent inutilement? Oh, quoique là, je suis extrêmement bien parti. Elle est complètement perdue là. Ah bah j'ai gagné, elle a abandonné. Félicitations, vous avez gagné. Merci. Ça, c'est fait. Oui. Faisons une partie. Battez d'abord mon professeur. C'est un maître à la magie, mais... Putain. Je peux aider? Oui. Une part... Alors, on joue. Allez, on les bat tous, et comme ça, c'est fait. La quête se finit là-dessus. Ah oh, bah là, je suis trop bien, là. Non, mais là, il a aucune chance. Il a aucune chance, hein. Il a deux paires. J'ai gagné. Vous avez gagné. Ça a été vite. Ah, qui... Mon apprenti. L'apprenti? Oui. Je vais peut-être au moins une fois finir les quêtes des dés. Du coup, j'ai 2, 2, 3, 3, 2 paires. Ah, lui, il a qu'une paire. Ah, c'est raté, j'ai perdu. Ah, j'ai gagné? Je pars toujours défaitiste, mais vous en fait, j'ai gagné. Vous méritez bien cette... À qui le... Lockhart le Terrible. Où puis-je le trouver? Près du marché. Merci. Super. Ah pardon, j'ai éteint votre feu. Lockhart le Terrible, près du marché. Après, je vais peut-être le faire en off, hein. Je suis pas un enfoiré comme ça. Si. Encore? Mais... Et vous avez pas fini de me casser les couilles? Oh! Laissez-moi passer! Ça va péter. Putain, lui il pète pas. Vache, mais j'ai pris trop cher. Raté. Et ça meurt.
L'enfoiré. Bon. Ah mais non, mais c'est la fin de l'épisode. Est-ce que je... Ah, je continue, allez. Je vais terminer l'épisode sur un jeu de dés. Parce que je sais que vous adorez ça. C'est par où? Vous êtes qui, vous? Je n'arrive pas à croire que c'est toi qui as tué Foltest. Parce que ce n'est pas moi. C'est mais pas moi. Mais une prime, c'est une prime. Rien de personnel. Tu dois comprendre ça en tant que professionnel. Ah, encore un qui n'a que de la gueule. Gwen! Meurs! Mourez tous! Oh! Oh là! Gwen! Esquive! Bah c'est ton pote qui brûle. Raté. En avant, penchez à la prise. Putain mais toi, tu me saoules avec ta magie. Oh! Oh! Swing! Eh bien c'est sur ça que je vais vous abandonner. Vous n'aurez pas les dés. Je vais essayer de faire les dés en off hein, parce que je vais essayer de pas faire trop mon enculé. Oh là là, mais qu'est-ce qui me casse les couilles tout cela là. Mais bon, sur ce, moi je vous abandonne et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez. Oh, pétale des débords. Intéressant.